Nous sommes en direct dans le groupe. Bonjour le groupe. Bonjour Hello, hello, hello tout le monde. Merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner. Donc, c'est toujours dans le cadre du Cercle des Femmes Magiques. Et comme j'ai expliqué avec Patricia, c'est pas comme si on avait déjà commencé le Cercle des Femmes Magiques que je vous propose ici, qui commence en septembre sur une durée de 4 mois. Francesca, Patricia et encore 2 autres personnes font partie d'une sororité, d'un petit cercle de sororité que nous avons créé fin juin, je pense. Que toutes les 4 ont créé leur summer school et nous nous sommes soutenus et nous avons fait le voyage en fait ensemble. Et donc, on a eu une expérience très, très forte de ce que c'est un cercle de femmes magiques. Je pense que c'est exactement le bon mot pour ça. Et je vais donner la parole à Francesca. Francesca qui est une artiste, Francesca qui a une agence de voyage et qui a un projet absolument lumineux et extraordinaire. Une personne très, très, très inspirante. Et voilà, je vais te laisser te présenter un peu. Et alors, surtout, nous expliquer comment toi, tu as vécu cette sororité que nous avons. Elle est en ligne, hein, on communique par Facebook Messenger et des Zooms. On n'a pas le temps, en fait. On pourrait se voir, mais on n'a pas le temps de se voir. On est tellement occupés, en fait. Et qu'est-ce que ça a changé, qu'est-ce que ça a ajouté pour toi dans ce chemin que tu fais là? Je te donne la parole. Eh bien, écoute, tu as dit un mot très important déjà, le voyage. Donc, on est parti en voyage. Et c'est exactement ça. Et moi, je me suis offert, en fait, la Summer School pour mon anniversaire. Et je le dis vraiment, je me suis offert ça parce que parfois, on pense que quand on dépense de l'argent, on utilise déjà le terme dépenser au lieu de investir. Ah ouais. Et il y a une énorme différence entre les deux. Et l'argent, c'est comme de l'énergie aussi. Donc, quand on dépense dans les choses qui ne nous rapportent rien ou alors qui sont vraiment juste temporaires, qui ne vont pas avoir un impact dans le futur, c'est une dépense. Quand c'est quelque chose qu'on investit, qui nous change, qui nous transforme, qui nous apporte dans ce voyage vers nous, à ce moment-là, c'est tout autre chose. Ça a une valeur bien plus grande que ce qu'on a investi au départ. Et ça nous revient d'une certaine façon que, voilà, moi j'ai grandi en fait. Ça fait pas longtemps pourtant, ça fait pas longtemps, mais c'est le pouvoir en fait qu'il y a dans ce groupe. Déjà, voilà, le fait d'avoir un guide qui est notre Samba Mama, hein, et ben notre Samba Mama, nous les bébés, hein, mais c'est tellement en fait justement cette protection aussi, le côté, comment on dit en anglais, nurturing, donc. Nourrissant. Voilà, nourrissant en fait. C'est ce cercle aussi, ce cercle quand on ne va pas bien, parce que voilà, il y a des jours où c'est difficile, il y a des jours où voilà, tout ce qui est technologique ne va pas et on apprend, on est nouveau, on est des bébés, comme j'ai dit, on fait nos premiers pas. Et quand ça nous arrive, avoir une personne, 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes qui sont là pour nous élever ou je ne sais pas combien, ça c'est juste incroyable. Ça c'est vraiment quelque chose, moi encore l'autre jour, voilà, j'ai eu pas mal de soucis technologiques et on m'a prise, on m'a relevée et là je me suis assise sur mon trône. C'était vraiment ça, un peu l'image. Donc, et puis j'étais d'attaque, j'étais prête. C'est l'énergie en fait qu'on nous donne et qui nous permet d'avancer parce que parfois on veut avancer seul et ça j'ai fait l'expérience aussi pendant très longtemps parce que j'avais déjà une idée de business depuis 2012, on est en 2019. Donc voilà, ça dit déjà beaucoup et c'est aussi grâce à toi parce que avant ça je voyais seulement le côté offline, donc physique. Et j'ai passé par tellement de détours parce que je n'arrivais pas à le faire, parce que mon idée était trop créative, peut-être pour certains aussi, que c'était difficile de faire passer certains messages. Et en fait, tu as su me dire « Non, Francesca, il faut que tu fasses ça, tu as tellement de potentiel avec ça. » Mais au début, je ne le voyais pas. Et en fait, en arrivant là-dedans, commençant les premiers pas, on a ce soutien, on a voilà, quelqu'un qui nous dit « Ok, c'est comme ça. »
on peut faire ça comme ça ensemble. Et bien là, j'ai commencé en fait à me découvrir. J'ai commencé à me redécouvrir, redécouvrir mon projet. Et là, maintenant, je sais exactement ce que je dois faire. Et j'ai su inspirer à mon tour des personnes. Et ça, quand on voit aussi la magie qui se passe après, quand nous aussi on inspire, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Et c'est vraiment, je veux dire, c'est quelque chose que je n'aurais pas, pour moi, su faire si j'étais toute seule. Je n'aurais pas, je n'y honnêtement, c'est comme j'ai dit, ça fait 7 ans que j'essaie de lancer mon business, de trouver comment faire. Et finalement, non, j'ai fait quelque chose à part. C'est en ligne, mais c'est encore mieux. C'est encore mieux parce qu'en plus, on peut toucher beaucoup plus de personnes. Et quand on a des personnes autour de nous pour nous aider, pour avancer, on grandit en même temps, on apprend les unes des autres, on se soutient, on s'enrichit, et c'est tellement magique. Moi, j'ai eu des personnes qui m'ont rejoint dans voilà, ma présentation aussi hier. Enfin, c'était juste incroyable. On danse ensemble et on ne se voit pas tout le temps, comme tu dis. Mais quand on se voit ou quand on s'entend, quand on se parle, ça change tout. Ça change tout. Et ça, c'est pour moi la suite aussi. Comme voilà, j'avais déjà suivi plusieurs de tes cours. Voilà, déjà un long voyage aussi avec toi. En très peu de temps, c'est ça qui est assez étonnant. C'est que ben, moi, voilà, je t'ai rencontré en mars. On est en août. Et dans cet espace-là, je suis déjà en train de coacher des personnes alors que j'avais rien. Ouais. Ouais, toi, tu as vraiment investi en toi. C'est un truc de fou. Ça, comme tu as expliqué cette histoire d'investir, de faire ce switch dans sa tête et dire « Oh, je vais dépenser autant d'argent » ou te dire « Non, mais j'ai investi en moi. » C'est un cadeau que beaucoup de femmes ne se font même pas. Parce qu'elles investissent dans tout, elles vont donner tout aux autres, mais elles ne vont pas comprendre. C'est pas comme si tu achètes un sac ou une paire de chaussures. Ça, les femmes arrivent à faire, aller chez le coiffeur, aller faire les ongles, aller je sais pas quoi. Mais quand tu investis dans ton potentiel qui est là, tu vas pouvoir inspirer les autres, tu vas pouvoir aider les autres. Tu rentres dans un truc, comme j'expliquais dans mon cours, cette pureté de servir, l'univers répond. Voilà. C'est là. Quand tu vas t'acheter un sac, c'est beau, ça te procure un petit plaisir. Et puis après, tu vas avoir un sac plus beau. Tu vas dire, merde alors, écoute, en plus moins cher, j'ai perdu mon argent. Combien de fois ouais. Mais quand tu rentres dans une autre énergie, un autre cercle, et quand tu as toutes ces femmes autour de toi qui sont dans cette même intention-là de changer le monde, de le rendre meilleur, peut-être le sauver, qu'est-ce qu'on en fait et ça, on vibre, on commence à vibrer. Ouais. C'est puissant. Et toi, tu en as fait l'expérience et les femmes qui sont dans les groupes le font aussi. Et c'est pas forcément, on va pas forcément avoir un entourage comme ça, peut-être dans les amis proches ou dans la famille. Et c'est pour ça que c'est tellement précieux. Je confirme, je confirme. Et j'ai envie de dire aussi, parce que je suis aussi agent de voyage, donc j'ai eu des personnes comme ça avec qui j'avais parlé aussi, qui me disaient « oui, c'est les vacances, je vais aller en vacances, et ça ». Et pour eux, c'était tellement important. Mais tu sais, ça revient au fait de travailler la semaine, attendre le vendredi pour avoir le week-end. C'est exactement pareil. Attendre la fin d'année, les vacances, pour partir, prendre son week-end et puis revenir. Mais du coup, on revient vers quoi ? On n'évolue pas, on est dans un plein stagnation. Et moi qui suis dans les voyages, je veux changer ça, je veux amener quelque chose de différent. Et c'est pour ça aussi, pour moi, c'est important pour la sororité aussi, à ce moment-là, de trouver quelqu'un qui ne veut pas en fait juste vendre, mais qui veut guider, inspirer, qui sait le faire. Et moi, voilà, depuis mars, je t'ai recommandé tellement de personnes parce que moi, tu m'as transformée. Et tout ce qui m'arrive, je te le dois. J'en suis reconnaissante. Et tout ce que je peux dire, moi, c'est les autres personnes. À moitié. Parce que c'est toi qui as fait le travail. Oui. À moitié. Tu as appuyé sur le bouton. Et puis, j'ai démarré. Je ne suis pas une magicienne, en fait, sans le travail des personnes. Oui, oui. Il faut voilà, mettre du sien aussi, ça c'est normal, hein, mais c'est ça en fait, quand on trouve quelqu'un qui ne veut pas vendre mais guider, à ce moment-là, on peut comprendre le fait de ne pas dépenser mais investir. Et à ce moment-là, ça nous revient, et c'est un investissement rentable, ça nous fait grandir,
Quand on rencontre des autres personnes qui font pareil, qui suivent ce même mouvement, on gagne de la force en fait. Ça nous apporte l'inspiration parce que l'inspiration, c'est ça, hein. Elle vient pas simplement de nous, elle vient aussi de tout ce qu'on voit, tout ce qu'on a autour de nous qui peut voilà, nous amener en fait à une version meilleure encore de nous-mêmes. Parce que ce qu'on nous, on voit pas. Les personnes autour de nous qui sont là pour nous épauler le voient et savent nous dire. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est magique et moi je le conseille à tout le monde. Voilà, je le conseille. Même en lisant voilà, ce que tu as préparé ici, j'étais oh là là, c'est tellement beau. Chaque fois, moi je fonds, je craque. C'était un coup de foot chaque fois que je vois un de tes cours. On n'a jamais envie d'arrêter, on a toujours envie de continuer parce que je sais ce que c'est. Je l'ai vécu, je le vis toujours et je le vis encore voilà, dans la samba. Mais bon, là, je sais que c'est encore un autre niveau. Je sais, enfin, je te connais. Donc là, le niveau, il est encore plus élevé. Ça ne fait que élever justement les femmes encore plus magiques là-dedans, ah oui, dans mais leur la Zumba, peut-être que des gens ne connaissent pas. Donc Zumba, c'est le cours que moi j'ai rejoint il y a un an et demi chez ma business coach Groom. C'est un cours pour apprendre à développer son business, donc son projet. Et idéalement en ligne. Et là, nous avons une grande sororité de 450 personnes. Et c'est, voilà, c'est l'expérience. Enfin, tout vient un peu de là aussi pour moi, parce que chez moi, c'est Sigrun qui a. Ah, voilà. Je dois une reconnaissance éternelle du genre, quelque chose de ce genre. Ok, c'est merci. Vague. Ouais. Ah, ouais, c'est mal. Mais merci à toi. Donc, je vais mettre le lien de ce que Francesca, qu'est-ce qu'elle fait, ce qu'elle offre aussi au-dessus, comme ça vous pouvez aller voir, parce que c'est incroyable son projet. Oups, ça fait du bien. C'est gentil. Bon, mais voilà. Un grand merci et une bonne soirée. Et on croise les doigts. Et je croise aussi les doigts donc, pour toi, mais je pense qu'on n'a même pas besoin de le dire parce que. Voilà, c'est magique ce que tu fais, tout. Donc, moi, je ne peux que conseiller aux personnes, aux femmes, vraiment de se connecter à leur féminin divin, d'aller dans ce cercle et de s'élever, contribuer au changement. Parce que voilà, moi aussi, je veux le faire, mais si je peux le faire, c'est aussi parce que Gudrun m'a aidé. Donc, voilà. Magnifique. Une bonne journée. Je t'en prie. Bye bye. Bye bye.